Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau chapitre sur les principes de base du montage vidéo sur Camtasia. Donc, premièrement, là, on va voir le plan comme le plan de montage. Donc, je vais vous faire une récapitulative sur le plan de montage. Donc, on voit ici, dans Camtasia, vous créez les vidéos dans le plan de montage. En suivant une séquence qui va de la gauche vers la droite. C'est ici que vous organisez et montez des enregistrements d'écran, des clips audio et des titres, des formes qu'on voit ici donc dans cette séquence vidéo. Donc les éléments que j'ai une forme. Donc c'est une donc là je vais vous le montrer. Donc c'est juste un arrière-plan qui est plan. Après, j'ai une séquence qui est donc voilà, donc c'est une séquence animée. Donc c'est qu'on voit ici donc l'image de PC. Donc c'est une scène animée. Après, j'ai donc une séquence audio. Donc on voit ici. Après, là, j'ai donc un titre. Donc j'ai un titre ici. Après, j'ai le titre, c'est celui-là, donc celui-là, donc il correspond à celui-là en haut. Après, j'ai le titre en bas et la forme triangle qui est à droite, qu'on voit ici. Donc ici, c'est l'ensemble des éléments qui composent ma séquence vidéo, ou bien dans lequel, qu'on voit ici. Chaque élément il est visuel donc apparaît sur donc le Canva. Donc après comme vous voyez ici donc le plan de montage il s'organise sur plusieurs niveaux donc comme je vous ai montré donc sont appelés des pistes. Les éléments qui se trouvent sur les pistes supérieures, donc ils recouvrent ceux qui sont en bas. Donc celui-là, donc il va recouvrir donc l'audio, donc ça recouvre rien. Mais celui-là, dans ce cas qu'on voyait ici, ce cas-là, donc il couvre donc l'arrière-plan. Donc voilà. Donc cette séquence ou bien cet élément, donc il couvre l'élément ou bien le calque en bas. Et quand je me déplace ici, vous voyez, donc il n'y a pas, ou bien ici, si je regarde donc les calques en haut, bien les éléments en haut, donc il y a aucun calque qui couvre donc mon arrière-plan. Donc c'est mon arrière-plan qui sera visible. Si je déplace celui-là comme ça, donc il va recouvrir, ou bien c'est celui qui va être qui va apparaître. Après, donc ce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc ici on a le plan de montage. Après, j'ai le Canva. Donc pendant la conception du projet, donc le Canva, donc il va vous permettre, ou bien il nous permet de prévisualiser notre travail. Donc il va vous permettre de prévisualiser votre travail lorsque la tête, comme je vous ai dit, donc lorsque la tête de lecteur se déplace sur le plan de montage, tout ce qui se trouve à cet endroit, donc à ce niveau, le niveau de cet endroit, il s'affiche sur le canevas. Donc ici, à ce moment-là, cette place, donc c'est on a deux, donc si on commence la lecture, donc on va avoir deux éléments qui vont être sur le Canva, donc c'est l'arrière-plan et l'audio, la séquence audio. Si je me déplace ici, donc tout ce qui est sur donc cette la ligne ou bien la tête de lecture qu'on voit ici, donc j'aurai les quatre, donc là l'arrière-plan, la séquence audio, donc j'aurai mon titre en haut, j'aurai le titre en bas et aussi le triangle. Et qu'on voit ici donc le canevas et aussi la zone de travail où vous pouvez
Donc disposer, donc vous pouvez déplacer donc vos éléments, des éléments donc les centrer qu'on voit ici. Donc là je les centrais. Vous avez un trait ou bien un repère donc horizontal donc qui s'affiche en jaune et un en vertical. Donc ça vous aide à centrer vos éléments horizontalement et verticalement. Donc on va essayer ici. Donc j'ai mon élément qui est, je l'ai centré, qui est centré horizontalement et verticalement. Après, je peux, comme vous voyez, donc je peux redimensionner, donc agrandir, donc diminuer donc la taille de mes éléments. Qu'on voit ici, si je le mets ici, là, les éléments, quand vous sélectionnez un élément sur le Canva, donc il sera sélectionné automatiquement sur le plan de montage. Qu'on voit ici le plan de montage. Donc j'ai mon triangle. Si je redimensionne, donc j'agrandis, qu'on voit ici la taille de l'élément. Donc il reste sur le plan de montage, reste la même. Donc ce qui concerne la taille, c'est ou bien le redimensionnement, c'est au niveau du Canva qu'on doit l'effectuer. Après, ici, donc la largeur. Donc la largeur de mon élément, il correspond pas à la taille, mais il correspond à la durée. Donc combien mon élément il sera visible ou bien apparaîtra sur la séquence vidéo. Donc après, si je fais ici, comme vous voyez ici, start time, c'est 35. À 35, il va commencer. Et il va duration 13 secondes. Il va durer, donc soit il sera visible sur ma vidéo 13 secondes. Donc il va commencer ici. Donc ici, il commence à 35, il va 5 secondes. Donc on va faire un test. Là qu'on voyait, j'ai mon plan. Excusez-moi juste un instant. Je vais baisser l'audio un peu, l'audio pour que je puisse parler en même temps. Là, comme vous voyez, là j'ai cette partie, donc il est animé. Après, il s'est terminé, donc il a passé. Donc là j'ai juste l'arrière-plan qui soit visible et l'audio. Après, là il va commencer à m'afficher les textes et voilà. Donc mes textes et la forme, donc ils sont affichés et toujours voilà. Donc après ça va continuer, donc la lecture il va être jusqu'à la fin de cet élément, donc parce que c'est le dernier, donc voilà. Voilà, donc merci pour votre attention. Donc dans le prochain chapitre, on va voir, donc pour que ce soit, je vais pas mettre beaucoup de temps dans ce chapitre. Donc dans le prochain chapitre, donc on va voir comment supprimer donc une partie du vidéo. Donc par exemple, si on a une erreur ou bien on veut enlever une partie de vidéo. Et après, et aussi comment on va couper donc un élément, donc l'élément ou bien deux éléments en même temps, et avoir des modifications ou bien de modifier ou bien de couper donc à des endroits plus précis sur nos séquences. Donc voilà. Donc merci pour votre attention et on se voit dans le prochain chapitre et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, liker et bye bye. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner et appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications des vidéos publiées. Donc merci et à la prochaine.